Bonsoir à tous. Bienvenue au Pâté Convention pour cette nouvelle avant-première. Alors, en ce début d'année, on a décidé de vous faire rire hein, la semaine dernière avec Stella, le film sur une juive qui s'alliait avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce soir, on reste dans le thème. On est sur la zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Alors, pour l'occasion, nous avons deux grands artistes, deux grands acteurs avec nous, les deux acteurs. Alors, la première, depuis son premier grand rôle au cinéma dans Requiem, elle a une carrière qui est fulgurante au cinéma. On peut la voir notamment dans Tony Herman de Marénadé, Sibylle de Justine Triet ou Proxima d'Alice Winocourt. On peut dire cette année qu'elle a eu du nez, puisqu'on a pu la voir en août dernier dans Anatomie d'une chute, qui a eu évidemment la Palme d'Or. Et puis là, elle revient dans le film Grand Prix du jury à Cannes. Je vous demande d'accueillir l'actrice Sandra Hüller. Alors, après des études d'art dramatique à Munich, il commence une carrière au théâtre et puis il fait quelques courts-métrages, mais il décroche très vite son premier grand rôle au cinéma dans Le Ruban Blanc de Michael Haneke. On peut le voir au cinéma dans Amour fou de Jessica Hausner, tiens, bizarrement, avec Sandra, et à la télévision dans la série Babylone Berlin. Il est également musicien. Alors vous allez beaucoup l'aimer en présentation. Pendant le film, je pense un peu moins. Je vous demande d'accueillir Christian Priedel. Alors, évidemment, on ne va rien dire du film parce que les gens ne l'ont pas vu et on veut garder toute la surprise. Peut-être nous expliquer la préparation, comment vous êtes arrivé sur le projet, comment vous avez rencontré le réalisateur pour la préparation de ce film. I will answer in English, I hope that's okay. Do you have a microphone too? Yes. We agreed that we don't want to say so much. I think it's best when you see this film and you don't know anything about it. I'm really sorry. I would love to chat with you. We would love to talk about the film with you, but since we are very late, sorry, because the schedule is so tight, I would just like you to put all your focus on what you see and feel right now. And I'm very happy. We are very happy that you are all here. For watching this film, it's a big moment for us. Alors, le mieux c'est qu'on n'en dise pas trop sur le film parce qu'on veut vraiment que vous ne sachiez rien avant de le voir. Et puis en plus, on manque de temps et on vous demande pardon pour ce retard. Mais le mieux c'est que vous vous concentriez sur ce que vous allez voir. Et on est très heureux que vous soyez tous là. C'est vraiment un grand moment pour nous. Yes, and we met Jonathan in different ways. I had to do a self-tape to describe why I become an actor or who I am, and then without knowing anything about the project or the potential one. Then I met Jonathan in a pub in London, and then he shares with me his vision. And Jonathan was very transparent to us from the beginning, and it was a gift to work with him. And it's we are both grateful to be a part of his vision. And yes, I don't want to see so many words, because Jonathan said it's sometimes more important to have first the vision of the movie, and then after that the talk. But it's and I cannot say have fun to watch this movie, but I hope you have an inspiring experience, and I hope you have really intensive conversations after the film, I hope.
J'ai dû faire une démo, une vidéo dans laquelle j'expliquais pourquoi j'avais voulu devenir acteur, comment mon parcours et parler un petit peu de moi, sans rien savoir sur le film ni sur le rôle. Et ensuite, j'ai rencontré Jonathan Glazer dans un pub à Londres où il m'a fait part de sa vision et du projet. Il a été très transparent avec nous dès le départ sur le film et donc ça a été une chance de travailler avec lui. Le plus important, donc, il estime lui aussi que c'est d'abord de voir le film et ensuite d'en parler. Je ne vais pas vous dire amusez-vous bien, mais en tout cas, on espère que vous aurez une expérience de visionnage qui va vous inspirer, qui va susciter le débat, lancer le débat entre vous. Vous connaissez donc avant le tournage, vous aviez déjà collaboré sur le film Amour fou. Est-ce que il y a eu une connexion tout de suite entre vous qui vous a permis un peu de sortir de la noirceur du sujet? Yes, we've known each other for a long time and didn't meet in the meantime, right, between these two shootings, but since we are almost from the same origin, from Eastern Germany, there are some similarities in our biographies, also a lot of differences, but this work is very trust-based. It required a lot of faith and a lot of trust in the other person and everybody who is involved, because it is very risky to work with such a topic and to tell this kind of story. So I was very happy that we had this very trustful connection, yes. On se connaît en effet depuis longtemps, mais on ne s'était pas revus entre les deux tournages. On est tous les deux originaires de l'Allemagne de l'Est, donc il y a des similitudes hein, dans notre vie, dans nos parcours. C'est un projet quand même très particulier qui demandait de travailler tous vraiment en confiance, parce que c'était un sujet très risqué. Et c'est pour ça que j'étais heureuse, oui, d'avoir ce lien déjà avec Christian. And the trust was important because we shot the movie very close to the original camp and very close to the original house. It was not possible to shoot in the original house, but and we felt the responsibility every day. And this is a movie not for the perpetrators; it's a movie for the victims. And Jonathan Glazer said one great sentence, and maybe you think about this word after watching the movie. It's a warning, and I think maybe to have this in his mind, it's important. Là, c'est vrai que la confiance était très importante. On a tourné tout près du camp d'Auschwitz et tout près de la maison originale. On n'a pas pu tourner dans la véritable maison, mais juste à côté. Ce qui fait qu'on s'est senti d'autant plus une responsabilité au quotidien sur le tournage. Ça n'est pas un film pour les bourreaux, mais c'est un film pour les victimes. Et Jonathan Glazer a l'habitude de dire que ce film fait office d'avertissement, donc c'est peut-être important d'avoir ça en tête en voyant le film. Et puis, justement, peut-être un dernier petit mot pour introduire le film avant qu'on le lance pour le public. Et d'ailleurs, je vous remercie encore beaucoup d'être venu ce soir avec le distributeur DAC qui nous a permis l'organisation de cette avant-première. Et avant que vous lanciez le film, je veux juste rappeler que le film sortira le 31 janvier et qu'on espère que vous soyez les premiers, enfin en tout cas les grands ambassadeurs de ce film si important. Merci. And I just want to say, please forget us now. Yes. Oubliez-nous tel que nous sommes maintenant avant de voir le film. Merci à vous.